Coucou à tous! Ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi 19 juillet et il est exactement 8h30. Je suis réveillée depuis 6h du matin et les filles sont réveillées très très tôt ce matin, qui est une première durant les vacances. Tout simplement pourquoi? Parce que la grande veut faire ses fournitures scolaires. Donc on a déjà acheté le cartable et la trousse et l'agenda. Trousse agenda, elle a acheté samedi avec son père à Carrefour. Voilà. Et on va faire les fournitures scolaires. Comment vous dire que Laura est très motivée ce matin? Je lui ai dit ce week-end que je ne voulais pas partir tard, que si on partait à 10h du matin, je n'irais pas. Et je peux vous dire, elle est au taquet de bon matin. Taquet au taquet, voilà. Pour vous dire, elle a fait le lait à sa sœur, elle lui a fait la queue de cheval, elle est en train de lui mettre son dentifrice, elle a habillé et elle m'a même fait le café. C'est une première. Voilà. Donc, très motivée. Voilà. Fourniture scolaire, elle est à fond. Voilà, surtout que ça fait un petit moment que je ne lui ai pas changé son cartable. Donc, elle s'est pris un cartable, elle aurait pris un S-Pack. Hein, voilà, parce que ils ont pratiquement tous ce style de cartable. Et je sais, par source sûre, j'ai entendu plusieurs mamans qui disaient que les meilleurs cartables, c'était les S-Pack. Voilà. Donc, sachez qu'à Bureau Vallée, chez nous, ça reste les moins chers en ce moment parce que on l'a payé 24,99. Voilà. À Carrefour, il est à 37 et à Leclerc, il est à 26. Voilà. Donc, si vous avez un bureau Vallée chez vous, n'hésitez pas à y aller. Elle a acheté ce week-end donc la trousse et l'agenda parce que samedi, mon mari est allé à Carrefour. Voilà. Et donc là, nous allons faire les fournitures scolaires. Alors, généralement, je les fais toujours en milieu du mois de juillet parce qu'après, les gens vont revenir de vacances et ils vont faire les fournitures scolaires. Il va y avoir du monde et je n'ai pas envie. Quoique cet été sera très particulier, hein, peut-être. Voilà, je ne vous rappelle pas donc l'élocution que nous avons eue donc la semaine dernière qui vous mettrait joie. Hein, voilà. Donc, en plus de ça, je préfère y aller ce matin, comme ça, ça sera fait, on sera tranquille et on restera chez soi. Voilà. Sinon, d'autres nouvelles, ce week-end, nous avons fini de clôturer notre magnifique piscine. Ça fait magnifique. Donc, je te montrerai le résultat final. Et cet après-midi, je dois appeler donc l'assistante sociale pour savoir quand elle pourrait venir au plus vite. Voilà. Les parents ne m'ont toujours pas rappelé. J'espère bien qu'ils me rappellent cette semaine. Autrement, tant pis pour eux. Je ne cours plus après les gens. Avant, généralement, j'envoyais un texto de rappel. Là, je ne cours plus après les gens. Si les gens ne me rappellent pas, c'est que ça ne leur convient pas. Voilà. Et très généralement, très souvent, les gens n'ont pas pris leur décision. Et ils vont vous rappeler 3 semaines après. Mais 3 semaines après, pour moi, ça sera beaucoup trop tard. Étant donné que c'est pour le 15 septembre. Et qu'il y a quand même une certaine adaptation pour l'enfant. Voilà, moi, je suis une instinct maternelle qui fait les choses carrées. Voilà, j'aime bien quand les choses soient faites, soient bien faites. Voilà, donc du coup, voilà, c'est tout. Et puis, on verra bien ce qui va se passer cette semaine. De nouveau ou pas de nouveau, est-ce qu'il va y avoir des catastrophes, des bonnes nouvelles? On verra. En tout cas, je finis mon café que ma petite m'a fait, ma petite, ma grande, parce qu'elle est un préado. Mais moi, mes enfants, je les vois toujours petites. C'est toujours mes petits rayons de soleil. Et je vous reprendrai, bien sûr, dans le véhicule, en sachant que oui, je n'ai toujours pas récupéré mon véhicule électrique. Non. Qui, normalement, je devais récupérer en fin de semaine dernière et qui s'est prolongé normalement jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va bien voir. Mais apparemment, ce matin, on devait tenir au courant mon mari. Mais je pense qu'on ne l'aura pas encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution pour la charge. Voilà. Parce qu'une voiture électrique, vous avez une charge et donc normalement, vous pouvez différer la charge. C'est-à-dire soit vous pouvez recharger
immédiatement, soit vous pouvez programmer. Et nous, le programme ne marche plus. Voilà. Donc, ça n'est pas en tant qu'on l'a. Hein. On l'a acheté au mois de mai, ça marchait très bien. Et au bout de un mois d'utilisation du véhicule, la charge programmée ne marche plus. Et il y avait un problème au niveau d'une portière hein, qu'ils sont en train de réparer. Voilà. Donc, je vous tiendrai un oui. Bon, il est 9h10 et on est à Leclerc. Ça y est. Par contre, on a oublié le jeton. Pour le chariot, donc du coup, on va voir s'il nous en donne à l'accueil. Voilà, et puis ben, ça y est, on va pouvoir faire les fournitures scolaires. Donc, je vous montrerai tout ça en rentrant. De faire les fournitures scolaires, hein. Elle est pressée. Hein. Hein? Nous, on n'est pas pressé, hein, Maëlia. T'es pressée, toi? Moi, je suis pas pressée. Hein. Bon, ça y est, on a fini. Par contre, il y a des choses qu'il n'y en a plus. Combien? 1,99€. 1,99€? T'en as combien de copies doubles? T'en as avec un paquet? 300. Il t'en restait ou pas? Il m'en restait un peu de copies doubles, mais pas beaucoup. Bon. Voilà, donc les fournitures scolaires, écoutez, ça y est, voilà, dans mon sac, c'est fini, donc elle vérifie, voilà, bon, ça a été rapide, voilà, Maëlia s'est pris des feutres, hein Maëlia? Maëlia s'est pris des feutres, parce que je lui ai pas acheté de sac, hein, Maëlia récupère son sac de l'année dernière, et puis l'année prochaine, elle rentre au CP, donc on achètera le sac. La jolie trousse et tout. Allez, elle vérifie. Il est 10h28, on vient de sortir de Leclerc. Je viens de pousser un bram pas possible. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent quand même. J'ai retiré des sous pour... Je vous mettrai juste ici pourquoi. Et du coup, je voulais faire de la monnaie. Voilà, parce que j'ai retiré des sous, mais je n'avais pas de monnaie. Donc, j'ai fait... Donc, je suis un peu énervée là. Je suis allée à l'accueil faire donc de la monnaie. Donc, on était en train de faire l'accueil. Il y avait pas mal de monde quand même qui attendait. D'ailleurs, la femme a demandé que quelqu'un d'autre vienne à l'accueil pour l'aider. Et donc, du coup, il y avait une dame juste avant nous. Et donc, il y avait une personne âgée. Et donc, avant nous, il y avait donc deux personnes qui étaient en train de traiter quelque chose qui était assez long. Et donc, du coup, la petite vieille est passée devant l'autre personne juste après. Et la personne, gentiment, lui a dit, excusez-moi, mais madame, j'étais juste avant. Donc, du coup, elle lui est passée devant. Et là, elle se retourne, ouais, c'est bon, hein, je vous avais pas vu, mais voilà, un truc de ouf. La fille, elle donne son truc, elle fait son petit truc très rapidement, hein, ça a été très vite. Puis la petite vieille, elle fait quoi? Elle passe après la dame. Je la laisse passer et tout, je me retourne, les gens derrière, pareil, outrés de ce qui se passait, quoi. Et donc, du coup, moi, par contre, j'ai pas fermé ma gueule. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, par contre, vous êtes passée devant tout le monde, il y avait du monde derrière vous. Elle me regarde, elle me dit, oh, mais j'ai pas vu, hein, j'avais mon portable. Je dis, non, vous n'étiez pas au téléphone. J'ai dit, par contre, vous avez osé envoyer chier la personne qui vous a fait la remarque, mais par contre, vous n'avez pas regardé derrière vous s'il y avait du monde, parce qu'il y a plein de monde derrière. Alors, c'est bien gentil hein, de dire que les jeunes sont mal polis, mais il faudrait quand même regarder derrière vous. Du coup, elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit. Parce que je vous jure que je lui aurais mal parlé, quoi. Vraiment. Et du coup, ben là, mauvaise nouvelle. Hein, voilà. Vous savez, la petite fille que je devais garder donc de 8 mois et demi. Donc, la maman ne m'a plus rien en me disant que ils ont une visite donc à une mame. Voilà. Et qu'ils préfèrent la mettre dans une mame. Donc, je ne comprends pas du tout. Puisque, je sais pas pourquoi ça fait blanc. Je sais pas. Je comprends pas du tout parce que ils recherchaient donc une instance maternelle avec très peu d'enfants. Ils étaient pas trop chauds de la mettre en garderie ou quoi que ce soit. Mais comme j'ai à ma fille, non, ça c'est une excuse simplement pour dire que tout simplement, voilà, on a apprécié votre accueil, très gentil, mais nous avons eu une visite avec une mame, nous avons apprécié la mame. Je pense qu'on la mettra à la mame, mais je pense que juste que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas passé.
J'espère que ce n'est pas l'extérieur, vu qu'on a mis du canis et que maintenant ça fait plus barricade qu'autre chose. Voilà, je suis dégoûtée. Voilà, donc j'espère qu'on va me rappeler pour travailler en septembre. Autrement, ça va être chaud cacahuète, quoi. Voilà. Donc là, on va à Jiffy. Je suis un peu démoralisée. Ça va me passer, hein, voilà. Donc, du coup, je vais à Jiffy. Je vais chercher pour tester l'eau, parce qu'on n'en a plus. Il y en avait à Leclerc, mais Laura, ça lui plaisait pas, parce qu'elle disait que c'était à base de cachet. Et que celui qu'on avait, je crois qu'on l'avait acheté à Jiffy. Donc, on va aller à Jiffy. Et en même temps, je vais prendre une frite pour Maïla, vu que je lui apprends à nager sans brassard. Voilà, donc là, je vais vous laisser parce que je suis un peu dégoûtée. Voilà. Donc, j'espère qu'on va me rappeler très vite pour du boulot. Voilà. Là, ça va être chaud cacahuète parce que ça ne sera pas pour septembre. Parce que pour trouver du boulot en septembre, il faut faire une certaine adaptation. À part si c'est un tout petit bébé de 5 ou 6 mois, ça va. On verra. On verra. Bon, je vais remettre des annonces et puis on ne va pas se laisser abattre. On va bien trouver quelque chose assez rapidement. Bon, allez, go parce qu'il est déjà 10h31. Allez, on va à Jiffy, c'est parti. Donc, on va pas acheter grand chose. Parce qu'il est pratiquement 11h déjà. Allez, c'est parti. On y va. Il est 13h, 14h moins 20. Ouais. Je vais faire un make-up très artistique parce que j'ai envie de faire des TikTok. Je devais le faire la semaine dernière, mais je n'ai pas pu le faire. Voilà. Donc, je pense que je vais faire un make-up, mais alors en truc de fifou, comme je ne dois pas sortir cet après-midi. Donc, je m'en fiche. Donc, je pense que je vais prendre la palette de Payo Coralie. Voilà. Il y a plein de couleurs. Alors, je pense que je vais faire du rose, du violet et du bleu. Je vais faire un style de make-up très étiré comme ça. Et je vais faire donc le liner noir très épais qui remonte comme ceci. Et le trait de liner avec la pointe là. Comment elle dit ça, Marion Caméléon? Je ne sais plus. Il y a un terme. Donc, je vais faire ça. Parce que j'ai vu pas mal de TikTok que j'aimerais faire. Que j'ai vu, je vais faire un style de make-up un peu égyptien, je vais voir. Et j'ai quelques petits accessoires pour faire des TikTok, voilà. Et je pense que ça va me calmer un petit peu, puisque je n'ai pas trop le moral. Je vous avoue que le petit coup de fil de ce matin, j'ai pas trop compris. Bon, après, j'ai envie de vous dire, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. Il y en aura d'autres. J'ai laissé donc de nouveau des annonces. Là, j'attends 14 heures pour appeler l'assistante sociale, voilà, pour qu'elle puisse venir voir ce qu'on a rajouté. Voilà. Je pense que je te montrerai ça demain, hein, demain matin. Quand il fera moins chaud, parce que là, cette semaine, ils annoncent canicule, hein, 32-33. Donc, cet après-midi, je vais tester la piscine après mon make-up et mes TikTok. Je suis en train de recharger mon téléphone. Voilà. Donc, je vais commencer à me faire les yeux. Du moins, avant de me make-uper, je vais aller passer un petit coup d'aspi. Et là, je vais quand même mettre une crème hydratante. Et je vais faire mon make-up de folie. Voilà. Et puis, je pense qu'après, je me démaquillerai. Et je me ferai l'épilation. Voilà. Parce que là, dans le TikTok, on ne va pas trop voir mes poils. Mais là, ça commence à repousser. Hein. Je crois que ça fait 15 jours que je les ai faits. Mais avec mes gouttes. Voilà, donc voilà, ça va me passer, hein. C'est sûr que je suis un peu dégoûtée. C'était trop beau pour être vrai, le 15 septembre, trouver un enfant à garder, c'était trop beau, voilà. Donc pourtant, ils recherchaient bien une assistante maternelle avec très peu d'enfants, moi j'en ai qu'un, pour fin novembre. Mais finalement, ils sont allés visiter une maman, alors je sais pas du tout quand ils sont allés visiter la maman, mais peut-être... le jeudi après-midi ou le vendredi, ils avaient rendez-vous. Voilà, je sais pas. Je suis pas sûre que ça soit réellement ça. Après, il y a peut-être quelque chose qui leur a pas plu. Hein, chez moi, mon domicile, ça peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Puis surtout, j'espère que c'est pas le dehors qui me porte préjudice, parce que là, je peux pas mieux faire. Hein. C'est sûr que dehors, moi, esthétiquement, ça me plaît pas. Je préférais largement ce qu'on avait fait avant. Hein. Le canis en lui-même,
par-dessus les barrières en bois ne fait pas aller puisque c'est bien droit. Mais après, vu qu'on a pris le grillage qu'on avait parce qu'on n'avait pas envie de racheter, parce que ça coûte cher, je vous jure, ça coûte cher. Rien que le canis, on en a eu bien bon. Déjà, les deux grands canis de 150, j'en ai eu pour 47 euros. Et donc, tout ce qu'on a acheté, allez, on n'est pas loin des 100 euros pour le canis qu'on a rajouté. C'était pas le moment non plus, hein, j'ai envie de dire. Je peux pas faire mieux, quoi. Moi, je suis pas fan de mon extérieur, hein. On a fait de la récup. De toute façon, après, on sait très bien qu'on va faire une terrasse en bois, ce sera beaucoup plus joli. Là, on est sur de la sécurité. Donc, je vais bien voir cet après-midi ce qu'elle va me dire quand elle va passer, et puis surtout quand elle va passer. J'espère qu'elle va me valider, que j'ai mon agrément et que les prochains parents qui viendront, j'aurai mon agrément que je pourrai donner. Écoutez, ça sera pour un prochain, hein. Voilà. Ça va être compliqué. Je pense qu'à partir de septembre, on va serrer les cacahuètes, hein, voilà. Hein. On va faire attention aux dépenses, surtout qu'au mois d'octobre, il y a les taxes qui vont tomber, qui font mal au fion. Donc voilà. Donc je pense que les travaux vont être encore repoussés, parce que je pense que toi aussi, tu n'as pas un arbre qui te chie des billets de 500. Voilà. Autrement, tout le monde serait au courant. Même s'il te pondait des petits billets de 20, déjà, je pense que ça se saurait. Hein? Voilà. Donc, sur ce, je te montre juste après mon make-up. Voilà. Je te mettrai les petites vidéos après, quand tu auras mon make-up, des petits TikTok que j'aurai fait. Bien sûr, tout sera en barre d'infos. La barre d'infos, je l'ai changée. Je l'ai beaucoup plus aérée. Je l'ai fait beaucoup plus classe. J'ai envie de dire un peu plus professionnel, même si je suis pas une pro, hein, loin de là. Mais je trouve que c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus lisible, mieux organisé. Ça se verra sur les prochaines vidéos, puisque là, les vidéos que j'ai programmées, ça se voit pas. Mais j'étais super contente de ce que j'ai fait hier. Voilà. Et là, j'ai un truc qui me dérange. En ce moment, j'ai des moustiques qui me piquent, je me gratte et j'ai des croûtes sur le côté. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce que je te raconte. Donc, je vais te laisser. Je vais passer mon coup d'aspirateur, mon coup de toile. Et je vais appeler l'assistante sociale. Et puis après, je vais me maquiller. Ça va me relaxer. Parce que j'ai pas de montage à faire. J'ai le vlog qui est en train de charger. Donc, le numéro 26. Ouais. Donc, le numéro 26, c'est le retour à la maison des vacances. Voilà. Je vous parle aussi des bougies d'Oli and Jack. D'ailleurs, qui sont super bien. Voilà. Je la remontre. Elle est juste topissime. Elle a une odeur, j'adore, voilà. Donc, elle sent tellement bon que je l'allume très peu et je la fais brûler une heure et rien qu'en une heure, ça embaume la maison, un truc de fou. Voilà, mais vraiment, vraiment. Il n'y a pas besoin de la laisser allumer pendant 4 heures, la bougie d'Oli and Jack. Donc, c'est une tuerie. Surtout qu'ils ont sorti des nouvelles bougies. Ils ont refait leurs bougies dans leur concept de petit bol de coco, là. À la mangue coco. Voilà, elle doit sentir super bon aussi. Et le packaging, c'est comme un bol de coco, en fait, voilà. Donc, c'est trop, trop joli. Voilà, donc, allez. Je vais faire tout ça. Comme tu vois, je suis au téléphone. 15h18, je pense que le make-up TikTok, je le ferai pas. Ça sera trop tard. Et après, il me laissera pas beaucoup de temps pour faire les TikTok. J'ai les accessoires et tout à mettre. Donc, j'ai pas envie de me presser, en fait, pour le faire. Comme tu vois, je suis au téléphone avec mon assurance. Pour prolonger l'assurance de mon véhicule, du moins utilitaire qu'on m'a prêté. Donc je te reprends après parce que généralement mon assurance, au bout de 9-10 minutes, ils me répondent. Il doit y avoir un temps d'attente de 10 minutes. On va pas tarder à répondre. Donc je t'expliquerai tout ça. Voilà. Parce que là, ça me perturbe en même temps avec la musique. Ça y est, j'ai fini. Donc du coup, ça a été très rapide, hein, voilà, hein, très 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 rapide. Hein, il me faut attendre 10 minutes pour 2 minutes de conversation. Mais je suis tranquille, au moins le véhicule est assuré utilitaire du garage jusqu'à mercredi. Je suis pas sûre qu'il me rappelle, hein, voilà. Ou s'il me rappelle en fin d'après-midi, je vais caler avec eux pour voir si mercredi c'est possible pour rendre le véhicule. Ou voir demain après-midi, je vais voir quand ils peuvent me rendre le véhicule. Hein. Parce que comme je disais, apparemment, le véhicule serait prêt. Il n'y a que la peinture au niveau de la portière qu'ils ne pourront faire qu'en septembre parce qu'ils sont débordés.
Voilà. Donc, ils ont demandé à mon mari si ça lui posait problème que le véhicule soit repris en septembre, et lui, il a dit que non. Voilà, en sachant qu'ils nous reprêteront un véhicule, mais ils ont intérêt que ça soit moins de 7 jours parce que là, je suis facturée 15 euros. Parce que quand vous transférez, donc ça dépend des assurances, hein, moi en tout cas, là où je suis, c'est chez Aviva, vous avez donc 7 jours gratuits. Au-delà de 7 jours, vous payez 15 jours pendant 30 jours. Voilà. Donc, c'est pour ça que je prolonge jusqu'à mercredi. Je suis pas sûre qu'il me rappelle parce que j'ai déjà bien signalé à la jeune fille que j'ai eue stagiaire au téléphone qui était très gentille que vendredi, il n'y a personne qui m'a rappelé quoi. Mais elle a bien vu qu'il n'y avait personne qui m'avait rappelé. Elle s'est excusée 36 000 fois. Très gentille. Après, bon, voilà, hein, je me rends compte qu'elle est à l'accueil et que si personne ne lui répond, elle peut pas faire mieux. Donc, j'attends qu'ils me rappellent et de toute façon, je pense que je leur dirai que mercredi, si ça leur convient. Parce que bon, le véhicule n'est pas sale, hein, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. À part ce matin, la semaine dernière, je l'ai pris pour le rendez-vous à Maëlia, pour aller faire des courses et tout. Après, mercredi, jeudi, vendredi, elle n'a pas fonctionné. Et juste ce matin, pour aller faire les fournitures scolaires, donc, mais je vais quand même passer un coup d'aspirateur parce que moi, chez moi, j'ai de la castine. Et donc, il y a plein de petits cailloux sur les tapis et voilà, le véhicule n'était pas non plus nickel chrome, mais je vais leur rendre un véhicule propre. Voilà, c'est tout. Et puis ben, j'ai pas pu me make-upper, hein, voilà, donc ça sera pour demain. Écoutez, hein, voilà, hein, je suis dégoûtée, mais comme je vous ai dit, il est 15h25, il fait très très chaud. Je vais prendre approximativement une heure et quart pour me faire le make-up et encore vu que c'est très artistique, vu que je vais faire une première, un trait de liner très très remonté, j'ai peur que je finisse trop tard et que le TikTok je ne réussisse pas du premier coup, hein, voilà, et que ça me gave et que j'ai perdu du temps à faire le make-up. Donc du coup, je pense que je le ferai demain matin. Juste, j'espère que Renaud va pas m'appeler en me disant oui, vous pouvez rendre le véhicule demain après-midi, parce que là, comment te dire qu'avec le make-up, ils vont s'espronter. Voilà. Et c'est tout. J'ai la machine qui est en train de tourner parce que je finis la machine de poux. Parce que figurez-vous que c'était pas Maëlia qui avait énormément de poux. Je pense que c'était Laura, la tête à poux, qui a refilé les poux à sa sœur. Donc je pense qu'elles ont dû le choper au camping. Hein, voilà. Donc on adore. Donc là, je suis en train de finir les machines des poux, surtout les peluches, hein, parce que les draps et tout, ça a été fait en priorité. Mais là, je fais les peluches et les coussins qui sont en décoration sur les lits. Voilà. Et puis, voilà, hein, je t'ai plombé tout lundi à discutailler. Hein, voilà. Et ce matin, à JFI, j'ai acheté ceci. C'est des petits ongles, je trouvais trop jolis à Jiffy. Donc c'est la marque VSL. Du coup, c'est écailles de sirène comme ça. Ils sont trop beaux, ils sont courts. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc on verra. Donc je les garde parce qu'ils sont courts, ça c'est bien à coller. Et puis étant donné que je ne garde pas la petite fille, ben, je pense que ce week-end je vais me faire un make-up. Un make-up. Je vais me faire les ongles ce week-end. Je pense que je vais me faire les ongles courts. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire ce week-end ou le week-end prochain. Je verrai. Parce que le week-end prochain, on sera. Donc, je pense ce week-end. Il faut que je fasse quelque chose ce week-end. J'étais en train de programmer un petit peu et de rectifier tout sur mon joli agenda de chez Action. Et je vais peut-être programmer la semaine prochaine de partir à Action. Parce que Paula, force à force de voir ses vidéos, je kiffe son étagère. Mais je ne sais pas si je vais la retrouver, moi. Sur Action où je vais puisque j'ai une demi-heure de route. J'ai peur aussi d'y aller parce que on est en zone d'été et que voilà, il va y avoir du monde sur la route. Mais son étagère, je la veux trop parce qu'en fait, je veux la caler dans ma salle de bain. Ce week-end, j'ai fait des rangements, j'ai plié mes serviettes d'une autre manière, j'ai commencé à ranger. Mais je n'ai pas fini. Je suis en train de démonter toute ma maison. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir changer les meubles, à vouloir changer son style de rangement, mettre dans des panières. Les panières à Jiffy coûtent la peau du cul. Sincèrement, même les petits rangements en plastique qu'on retrouve à 2 euros chez Action, ils sont à 6 euros chez Jiffy. C'est abusé. Les mêmes panières de chez Action en osier noir sont à 4,90 alors qu'on les retrouve à 1,99 chez Action. C'est abusé quoi. Je comprends pourquoi Jiffy ne veut pas que Action s'incruste chez nous. Parce qu'ils savent très bien qu'ils fermeront leurs portes.
Voilà, donc je sais pas, je demande à Paula. Paula m'a dit qu'elle n'était pas très grande. Normalement, elle devrait rentrer là où je veux le mettre. Mais est-ce que je vais la retrouver? Voilà, je pense pas. Ça me fait chier en fait. Parce que ça ferait trop joli l'échelle avec les petites planches. Mettre des serviettes enroulées, blanches, avec des petits gants, mettre des produits, les produits du mari avec ses rasoirs, dans des rangements avec des pots transparents et tout, ça ferait trop beau. Mais faudrait-il que je le trouve? Voilà. C'est tout. Je regarde ma machine, c'est terminé. C'est fantastique. Bon, allez. Bon, il est 17h, du coup, je voulais vraiment faire mes TikTok, je voulais vraiment faire le TikTok. Alors, par contre, j'ai pas fait le make-up que je voulais. Je me suis dit, allez, pourquoi pas partir sur des liner cakes? Par contre, le liner cake, il a pas survécu. Hein, de ce côté, bah, il fait 42 degrés, il a pas survécu. Voilà. Donc, je te mets sur le côté, donc celui que je voulais faire vraiment, que j'ai vu tourner et que j'adore, voilà. Je mettrai sur le côté, n'hésite pas, tu n'auras pas le son bien sûr, mais tu auras comment j'avais mis mon décor, les accessoires pour le TikTok. N'hésite pas, en barre d'infos, il y a mon TikTok. De venir t'abonner, ça fait super plaisir. Et de me suivre, là, parce que je vais faire un peu plus de TikTok. Donc du coup, j'avais utilisé cette petite palette. Donc c'est la palette de Utopia, hein, qui est disponible, je crois, sur Beauty Bay. Je crois qu'elle est revenue et elle est vraiment pas très chère. J'ai vu Emma Cup qui a parlé des liner cakes de Make-up Revolution. Apparemment, ils sont apparemment mieux que ceux-là parce que quand même, il faut savoir assez bien les travailler. Alors, je peux vous dire que moi, le liner comme ça, c'est une première et je trouve que ça ne me va pas. Voilà. Donc, je sais pas. À voir sur un autre make-up. Il fait super chaud, je commence à avoir les cheveux qui commencent à partir de tous les côtés. Là, j'attends parce que mon TikTok, le deuxième que j'ai fait, est terminé. Et je vais sûrement en faire un troisième et je vais me démaquiller. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si je vais en refaire cette semaine. Je me suis vite maquillée. Tout simplement parce que je sais pas du tout quand Renault va m'appeler, je sais pas du tout quand je vais récupérer ma voiture, je sais pas comment ça va se passer, donc voilà. Donc des fois je te dis des choses et ça se passe pas. Donc du coup voilà, je vous aurais mis donc les petits TikTok pour le collier. C'est un collier comme ça que je porte, qui est super joli, que j'avais acheté sur Tonton Ali. Donc du coup il est trop court, mais j'avais acheté des petits ronds comme ça que j'ai mis derrière, donc ça tient très bien. Le haut, c'est le haut de chez Shein, mais qui est très décolleté, voilà. Et après, j'avais mis une couronne de fleurs que j'avais achetée sur AliExpress aussi. Donc, tu l'auras vu sur le côté. Donc là, je vais finir de faire encore un TikTok que je voulais faire. Je vais me démaquiller et puis on se retrouve demain. Et je pense que demain matin, je te prendrai à la fraîche et je te montrerai donc la fin de mes travaux. On est mardi et il est 11h02. Voilà. Ce matin, on s'est levé un peu plus tard puisque j'ai rien à faire. Renaud ne m'a toujours pas appelé. Je viens de me faire. Du moins, j'ai fait les soins ce matin. Vous voyez le blanc, ce sont mes gouttes quand je vais les laisser ingérer. Et donc, cet après-midi, j'ai vidéo à faire et j'ai envie de me faire une petite coiffure. Et j'ai retrouvé ceci alors dans mon vlog vacances. Je vous ai montré un kit de chez Action où il y avait ces petits zigouigouis, mais un peu plus grands qui te permet de faire des tresses un petit peu, alors soit en épi, soit moi je dis des tresses africaines. Voilà. Et j'ai bien envie de m'en faire une ici. Vous voyez, hop, vu que là j'ai le côté plus court que l'autre, et j'ai bien envie de le faire. Voilà. Comme ça, je vais faire une vidéo cet après-midi. Je vais me make-upper et je pense que je referai des TikTok parce que je me suis bien régalée hier à faire des TikTok. Voilà. Bon, j'ai pas un énorme public, mais je m'en fiche. Voilà. Je pense que cet après-midi, les filles vont se baigner à la piscine. Donc, on a fait le test de piscine. Il y a un peu trop de pH. Donc là, on va refaire le test. On va voir un petit peu. On va voir si le mari, si elles peuvent se baigner ou pas. Hein. Voilà, je pense qu'elles peuvent se baigner. Par contre, il y a trop de chlore. On va voir.
Et on va profiter parce que cette semaine, il fait très 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 chaud. Donc, vu qu'on a la piscine, on va profiter. On va un petit peu bronzer aussi. Et puis après, la semaine prochaine, il va falloir que je commence à préparer ma maison. Alors, je commence à la re-ranger un petit peu. C'est pas que ma maison, ça soit le bazar, hein, mais quand on a une grande maison, il y a certaines choses qu'on fait beaucoup plus souvent que d'autres. Là, il faut que je commence à nettoyer ma salle de bain, mais il faut que je fasse le carrelage en haut. Donc, la semaine prochaine, je vais mettre des tâches ménagères le matin. Et l'après-midi, ça sera soit vidéo, soit montage. Mais tout le matin, il va falloir que je fasse certaines choses que je fais rarement, comme les vitres, que je fais très peu parce que j'ai tout le temps Maëlia. Voilà. Contre les grandes baies vitrées, là, il faut que je fasse les vitres, les encadrements de vitres de la salle de bain. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Après, les encadrements des fenêtres, des chambres et tout, je le fais assez régulièrement. Mais la salle de bain, ça fait un petit peu de temps. Pousser la machine à laver aussi parce que derrière. Je te raconte pas la poussière. J'ai fait déjà le dessous de la salle de bain que j'avais fait, je crois, il y a 7 mois quand même. C'était pourri. Pourri, pourri, pourri. On a retrouvé des élastiques, on a retrouvé plein de choses. Bon, voilà ce que ça fait. Alors, je sais pas si tu vas voir. Alors, par contre, en haut, bah voilà ce que ça fait. Il faudrait mettre une pince là. Je vais essayer de refaire parce qu'en dessous, j'ai dû mettre une pince. Donc, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Moi, je vois pas ce que ça fait. Peut-être que ça fait joli ou pas. Je te mettrai une petite indication ici. Je vais essayer de lever un petit peu. Ouais. Vous voyez ici, c'est pas beau. Ça fait ça là. C'est pas les mêmes de ceux de chez Action. Alors j'ai chaud, hein, je transpire. Donc, ouais, je sais pas ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà. Je ne sais pas si je vais tourner une vidéo cet après-midi. Encore des imprévus. On est dehors. Franchement, il nous casse les bonbons. Hein, franchement. Je pense que je n'ai pas besoin de te le dire. Tu comprendras. Mais putain, tout ce qu'on avait prévu tombe à l'eau. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Je pense qu'il y a plus grave dans la vie. Bon, je vais essayer de refaire. Essayer de repasser ça. Est-ce que je vais passer ça dessus? Pour cacher. Vous avez une coiffure à la One Again Flow, hein? Ou alors il faudrait que je fasse ce côté aussi. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas les mêmes que ceux de chez Action. Chez Action, il me semble qu'il y a deux brins pour pouvoir passer les cheveux. Là, c'est vraiment tortillé que un brin, vous voyez? Le petit truc qui est beaucoup mieux que celui de chez Action, c'est qu'il y a une petite pince pour pouvoir faire tenir ici. Voilà. Tac. Mais je trouve qu'on n'a pas le même rendu et surtout que j'ai été obligée en fait de faire tenir avec une pince. Bon, il est 16h. Je vais vous montrer donc les travaux parce que je ne les ai pas montrés finis. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un extérieur qui est juste magnifique. Voilà. Donc, on a fini. On a mis le canis. Donc, ça, vous l'avez vu en face. Ce qu'on a mis par-dessus, que vous n'avez pas vu, c'est le canis ici. Donc, le canis de 1,50 m ici, dont on a fait le retour ici obligatoirement parce qu'autrement, l'enfant pouvait monter sur la jardinière et pouvait avoir accès à la piscine. Voilà. Donc, de l'autre côté. Du coup, on a mis donc un portail et donc on a fermé de ce côté ici. Voilà, sur le côté. Et derrière, j'ai des guêpes parce que j'ai de la lavande. Voilà, il y a plein de guêpes. Ça, j'ai dit à mon mari de le couper, mais il veut pas. Là, il va falloir que je vous montre ce soir parce que c'est juste infernal. Et donc ici, sur le côté, donc on a fermé avec le canis. Voilà. Donc là, comment vous dire qu'il n'y a plus d'accès à la piscine. Donc, on ne peut pas se baigner à la piscine. Demain, je dois aller à Cache Piscine
parce qu'on a fait les tests de l'eau. Les filles sont un peu dégoûtées, mais bon, voilà, ça fait pas longtemps qu'on est revenu. La piscine, quand on était parti, elle était propre, on avait commencé à nettoyer. Le problème, c'est qu'il a fait tempête et que la piscine, elle a tourné. Donc, là, j'ai trop de pH, trop de chlore. Bon, la piscine, elle est propre, hein, je vais la rebrancher là. Donc, le problème, c'est que faut que j'amène les analyses de l'eau à cache-piscine demain, puisque j'ai trop de pH, le pH est trop élevé, et donc il va falloir qu'il me passe peut-être quelque chose pour qu'elle puisse se baigner à partir peut-être de demain ou d'après-demain. Voilà. Parce que là, comment vous dire qu'il fait super chaud. Voilà. Du coup, donc, t'as vu les travaux, c'est terminé. Donc, maintenant, on n'attend plus que l'assistante sociale m'appelle la semaine prochaine. Ce matin, je t'ai laissé avec un essai de coiffure. Je vous ai dit que cet après-midi, je devais tourner une vidéo, donc, sur tous les parfums noirs que je devais me make-upper. Et finalement, le mari m'a appelé. Bien sûr, ça va être la semaine des emmerdes. Mais là, comment vous dire, c'est le pompon sur la Garonne. Voilà, le pompon sur la Garonne. Je ne rentrerai pas dans les détails. Juste que vous avez vu que nous étions partis au camping donc fin juin, début juillet. Et cette année, on avait choisi un autre camping fin août. Au vu de ce qui se passe en ce moment depuis la semaine dernière, je pense que fin août, on ne partira pas au camping. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire le pourquoi du comment. Voilà, je dis juste que on est libre, chacun de penser ce qu'on veut. Et que je suis dégoûtée. Dans le sens que, premièrement, chaque année, on aime partir en vacances. C'est quelque chose qu'on apprécie. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas, que je perçois les acidiques, et que le mari, pendant 2 ans, se lève tôt le matin, finit tard le soir, passe très peu de temps avec ses filles, même s'il rentre le midi, il rentre le soir. Il les voit très peu, parce que plus ou moins le soir, quand elles ont l'école, elles dorment, elles mangent, elles vont faire un bisou et elles vont dormir. Quand ils rentrent, plus ou moins des fois c'est 8 heures, le temps qu'ils se rasent, le temps qu'ils se lavent et tout, donc c'est toujours un coup de vent. Les week-ends, il y a des fois où ils les voient et ils discutent, ils en profitent, il est fatigué aussi, il se repose. Je pense que celui ou celle qui regardera cette vidéo, je pense qu'il n'est pas le seul. Voilà, à se lever très tôt, à travailler, à rentrer très tard. C'est dur de gagner de l'argent, c'est dur au jour d'aujourd'hui d'en mettre de côté. Et que si on peut se faire des campings, ce qu'on apprécie depuis 3 ans, c'est des sous qu'on met de côté. Voilà, et qu'on galère un petit peu, comme tout le monde. Voilà, et c'est quelque chose qu'on apprécie parce que c'est des moments où on se retrouve tous les quatre, vraiment tous les quatre qu'on apprécie et ça permet de souffler un petit peu. Et cette année, heureusement qu'on est parti donc fin juin, début juillet, déjà une semaine, parce que je suis pas sûre qu'au mois d'août, le deuxième camping, on ira. Voilà, là on est en discussion, parce que on n'a pas pris d'assurance. Voilà. Et donc, si on prend pas d'assurance, c'est qu'on est responsable. Et que là, si je souhaite annuler mon voyage donc de 9 jours qui était prévu du 21 au 30 août, je vais perdre 50% de ce que j'ai payé. Donc ça, je ne peux pas en vouloir au camping. Même eux sont impactés, même eux sont en colère, même eux sont dégoûtés. Des mesures qui ont été prises, qui sont annoncées donc ce matin, et ne savent pas du tout comment ils vont faire. Voilà. Et donc, je me suis dit à mon mari, c'est pas grave, on a payé avec la carte Gold. Je vais appeler ma banque. Comment te dire que je les ai insultés? Du moins, insultés. Non. J'ai gueulé. J'ai gueulé. Voilà. Ça fait depuis 2011 que nous avons construit la maison et que depuis 2011, mon mari a la carte Gold. On paye le bonbon hein, pour la carte Gold. On nous a dit, quand on était parti au Portugal, c'est il y a longtemps, oui, vous partez au Portugal, ne tracassez pas, toute annulation... vous serez remboursé sur le nombre de voyageurs. Si vous tombez malade, un accident et tout, vous serez remboursé. Là, comme je veux peut-être annuler le camping, je me suis dit, bon, eh bien, je l'ai dans le fion. Parce que par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas pris en charge. Et ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Je suis ravie, hein, comment te dire que je suis joie. Il y a toujours des petites clauses qui apparaissent comme ça, hein, qui viennent d'inventer. Hein.
Donc c'est bien gentil hein, de dire oui, prenez telle carte ou prenez telle assurance parce que vous aurez ceci, vous aurez cela. Et puis quand tout se passe bien, tout va bien. Et puis le genre, vous avez une couille, bizarrement, on te pond une petite clause là. Voilà, une toute petite clause. Donc je pense que la carte Gold, là en plus, il n'y a pas si longtemps, mon mari me dit oh là là, mais je dis c'est ta carte. Hein. Eh bien, je peux te dire que le mari, je l'appelais tout à l'heure. Il était frais, très frais, comme moi, hein, j'étais très fraîche. Donc, ben, vous verrez bien s'il y aura un vlog ou pas, mais je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée par rapport à ce qui se passe. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai jamais parlé de choses de ce style-là, parce que c'est des polémiques et que ma chaîne n'est pas basée sur ça. J'espère, oui. Je vous donne toujours la banane et tout. Donc juste que là, bah, je ne vous ai pas repris parce que j'étais très énervée. Et là, je suis dégoûtée. J'ai l'impression qu'il retombe et je suis même triste. Triste. De ce qui se passe. Voilà. Donc, changeons de sujet. On va passer donc à AliExpress. Ouais, je passe du coq à l'âne. Mais j'ai pas envie de débattre sur ça. Et je vous dis, j'ai pas envie d'en parler. Il y en a ceux qui débattent, ceux qui en parlent énormément sur d'autres réseaux sociaux. Moi, je n'en parle pas. J'ai mon opinion. Voilà. Mais j'ai pas envie, en fait, de dire mon opinion. Voilà. Sur ce, sur AliExpress, donc, j'ai donc commandé donc, le 2 ou le 3 juillet donc des produits. Sachez que sur AliExpress, vous le savez, donc beaucoup de monde se sont posé la question, puisqu'à partir du 1er juillet, donc nous avons des taxes. Voilà. Tout simplement, maintenant, quand vous commandez sur AliExpress ou d'autres sites étrangers, vous avez une taxe qui est payable. Voilà. Donc moi je me suis posé la question, ben oui, j'ai une taxe payable, mais ça va être très cher, ça va être peu cher. Est-ce que la taxe que je vais payer sur AliExpress, est-ce que la douane va me redemander des sous? Donc j'ai commandé deux articles pour tester. Sachez que je pense, je vous l'ai dit, c'est pas très très onéreux quand on commande des petits produits. Maintenant, plus vous commandez des gros produits, style des téléviseurs ou autres, d'un prix excédant plus de 250 euros, là vous avez des frais de taxe qui peuvent être un peu plus trop un peu plus onéreux. Voilà. Donc là, les petits produits que vous commandez sur AliExpress, vous avez donc les frais de port ou des livraisons gratuites et ensuite vous avez les taxes. Voilà. Je pense que pour les ongles, je crois que je te l'ai dit, je crois que j'ai payé 0,38 de frais de taxes et je viens de les recevoir à l'instant T même et je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà. Donc j'ai commandé ceci. Donc c'est des poses, des tips américains. Voilà, en forme de stiletto très court comme ceci et que je vais me faire étant donné que la petite fille, je ne la garderai pas et vu que je suis un peu énervée, voilà. Celui qui va m'énerver, voilà. Voilà, donc sachez que sur AliExpress, quand vous commandez des petits produits, sachez que vous payez donc les frais de taxes de suite. Vous n'avez pas de frais de douane par-dessus. Voilà. Donc c'était tout. Franchement, j'ai pas trop le moral, donc j'ai pas envie de dire plus aujourd'hui. Ça ira mieux demain. De toute façon, comme on dit toujours avec le mari, il y a toujours des solutions. Maintenant, on va en discuter, on va voir, et puis voilà, c'est tout. Donc, eh ben demain, je te retrouverai dans mon véhicule parce que demain, Maïla a rendez-vous donc à la CMP. Je vais finir là après ma douche, donc les courses à Leclerc Drive. Et demain, je récupérerai les courses et en plus, je devrais aller donc à Cache Piscine pour qu'on puisse quand même se baigner. Voilà. Parce que là, cette semaine, c'est canicule. C'est très très chaud. Il est 8 heures. On est réveillé depuis 1 heure. On est mercredi 21 et il va faire super chaud encore aujourd'hui. Coiffure de fifou, hein, parce que de toute façon, il fait tellement chaud que même quand tu te laves la tête, tu transpires comme...
comme une ouf. Hier soir, je me suis couchée très très tard, tout simplement parce que il faisait chaud, j'avais pas sommeil, et ce matin, je serais bien restée au lit. Voilà. Donc ce matin, on s'est levé tôt parce que Maïla a rendez-vous à la CMP. Elle a rendez-vous tous les mercredis jusqu'à la première semaine d'août. Il a les mêmes vacances que nous, comme le mari. Bon, le mari aurait pu avoir les 4 semaines au mois d'août, mais étant donné qu'on est parti donc fin juin, début juillet, donc une semaine au camping sur Fréjus, et qu'il avait pris aussi, je crois, une semaine ou 15 jours pour les travaux de la piscine, et voilà. Donc ça lui faisait moins de jours pour les vacances cette année. J'ai ça à faire parce que Maya a rendez-vous de 9 à 10. Je dois récupérer un produit, donc je m'arrête à Cache Piscine puisque c'est juste à côté de Leclerc Drive, puisque je récupère mes courses pour voir, pour me passer un produit pour l'eau, à part qu'ils me disent qu'on puisse se baigner, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Au niveau des courses, j'ai un petit peu galéré, hein. J'ai eu du mal à trouver certains produits que j'avais mis au panier, que quand j'ai validé, se sont supprimés. Donc, c'est pas grave, on s'adapte à la situation, ce n'est pas bien grave. Hier soir, je me suis couché très tard, j'ai regardé donc la vidéo de Paula, voilà, qui a un petit peu parlé de ce qui se passe en ce moment et qui a donné son avis. Moi, comme je vous ai dit, je ne me prononcerai pas. J'ai mon opinion. Ça serait trop long aussi pour vous dire les choses telles que je les ressens. Je pense que vous aurez compris par rapport à ce que j'ai dit hier, par rapport au camping. Hier soir, on n'en a pas plus discuté parce que le mari est rentré très tard. On attend juste la décision du décret et on avisera, on verra ce qu'on fera. Voilà, mais comme je vous ai dit, moi, je suis pour la liberté. Je pense que nos grands-parents se sont assez battus, ou nos ancêtres se sont assez battus pour qu'on ait la liberté de choix. Donc, voilà, je ne comprends pas certaines choses, ni certaines personnes qui puissent avoir certains propos qui m'horripilent. Et je comprends pas en fait. Voilà. Donc après, je ne juge personne. On est libre choix, personnellement, de choisir ce qu'on veut. Voilà. Tout simplement. Que l'on soit obligé, pour certains qui le pensent, et pour d'autres, non. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Mais la vidéo de Paula était très très bien. Très longue. Et je sais qu'elle passera par là. Très longue. Elle a donné son opinion. Voilà. De toute façon, c'est un cercle où, de toute façon, il y aura toujours des gens qui auront un avis et d'autres qui auront d'autres avis. Voilà. Juste que ce qui me désole, c'est que le pays soit divisé en deux et que ça joue sur la discrimination. Voilà. Simplement, c'est bien malheureux, surtout que il avait dit certaines choses qu'il n'a pas tenues. Voilà. Sur ce, c'est tout. Je vais pas déblatérer plus parce que voilà. Hein. Je dois faire beaucoup de choses ce matin. Je pense que je te reprendrai au véhicule ou pas. Peut-être pas parce que du coup, j'ai pas encore pensé à prendre le petit bétonio qui reste dans le véhicule, dans le mien, hein, que le mari prend, puisque moi j'ai le véhicule utilitaire de Renault. Renault, depuis lundi, ne m'a pas rappelé. Donc, je vais pas courir après, je vais pas le rappeler tous les jours. Hier, j'ai passé ma journée au téléphone. Donc, aujourd'hui, je compte bien faire mon ménage. Même si ma maison n'est pas très dégueulasse, mais par contre, elle est en désordre et j'aime pas. Donc, cet après-midi, je vais rallonger mon assurance de 10 jours. Hein, et puis, voilà. Et ça sera eux qui vont se bouger le cucu. Voilà. Allez, sur ce, go. J'ai mis un petit collier de chez Tonton Ali. Voilà. J'échange un petit peu. J'ai mis mon petit haut à dentelle comme ceci. Et j'ai mis tout simplement un jean. Parce que comme je suis antisposée, voilà. J'aime pas trop porter des robes parce que ça me va pas. Entre les jambes, ça me va pas. J'aime bien apporter un pantalon ou un jean quand je suis indisposée parce que j'ai l'impression que tout est bien soutenu. Voilà. Sur ces belles paroles de fin, je te dis à plus tard.
Il est 15h15 et je suis allée sous la douche parce que je puais. Voilà. Je sue, je pue. Voilà. Je pense que c'est naturel, ça aussi. Voilà. Qui transpire sans puer? Laisse-moi un petit commentaire. Voilà. Donc ce matin, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Je suis contente. Là, je vais faire mon petite mixture pour le pH de la piscine parce que le pH de la piscine est pas trop élevé. Il faut que je monte le pH. Donc il m'a donné un produit. Alors je pouvais prendre le produit 5 kilos qui était à 15 euros. Mais étant donné, comme j'ai dit aux filles, on est quand même le 21 juillet. Elles n'ont pas mis un pied à la piscine. Il reste le mois d'août. Ça va énormément passer vite. Donc j'ai pris qu'un petit bidon de 1 kilo. Voilà. Le 1 kilo m'a fait 5,95 euros. Et les 5 kilos étaient à 15,95. Voilà. Donc je vais faire ma petite mixture en sachant qu'il faut que je regarde le mètre cube de ma piscine puisque c'est 5 grammes par 10 mètres cubes d'eau. C'est une mixture qu'il faut mettre dans un seau à diluer avec de l'eau et le balancer dans la piscine avec le moteur allumé. Comme je veux pas faire de conneries, je préfère que le mari rentre en sachant que je l'ai pas vu à midi parce qu'il est parti tôt ce matin et qu'à midi il était donc en réunion de l'autre côté du département et qu'il savait pas trop s'il allait rentrer ou pas. Donc il n'est pas rentré, donc pour vous dire qu'il a des journées assez longues quand même, puisqu'il est levé depuis 6h du matin. Je ne sais pas du tout s'il s'est pris une petite pause. Le connaissant, je pense qu'il a dû aller boire un café, mais il n'a pas mangé, ça c'est une certitude. Et que ce soir, soit il peut rentrer tôt, comme il peut rentrer à 8h. Voilà, donc vous voyez que les journées sont assez longues quand même. J'ai pris une douche, oh, je ne sais pas si je te l'ai dit, et donc sur les cheveux, c'est le produit donc, que je vous ai présenté à Lidl. Vous savez, le spray Beach. Voilà, et bien j'ai fait ça. Hop, ça fait ça. Donc il faut laisser sécher naturellement. Je suis contente parce que mes cheveux sont en train de repousser. Voilà, arrivera un moment où je t'en parlerai plus. Mais je suis contente. Alors là, c'est en train de sécher, donc c'est en train de remonter. Hein, comme là, hein, vraiment, c'est un peu plus long. C'est en train de remonter. Mais finalement, les produits que je prends, donc les produits compléments alimentaires marchent très bien. Donc je les ai remis au panier sur Sephora pour me les recommander au mois d'août. Les petits gummies, j'ai pris aussi les gummies pour les cheveux. Voilà. La crème vertu marche très bien, donc il m'en reste la moitié, j'en mets pas beaucoup. Mais par contre, j'ai pris un conditionneur, je crois, pour cheveux bouclés aussi de la marque Virtu, qui marche super bien. Là, je vais sûrement appeler la coiffeuse qui venait avant à domicile, juste pour qu'elle me fasse la couleur et les mèches. Je ne veux pas qu'on me touche les cheveux, je veux les laisser pousser. Je vous ai dit, j'aimerais bien les laisser pousser jusqu'à ici, refaire éventuellement une coupe au carré. Comme ça, je pourrais me faire des bouclettes et des wavy. Je pourrais m'attacher les cheveux. Comme ça, quand j'ai pas envie de me coiffer, je m'attache les cheveux et voilà, on est tranquille. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin. Tout en ballot au niveau de ce que je devais faire cette semaine. Alors demain on est jeudi. Je ne sais pas si je vais tourner la vidéo sur les parfums parce que je n'ai rien foutu cette semaine. Mais rien du tout. Je me suis make-upée. Je crois que lundi ou mardi pour faire mes TikTok que j'avais envie de faire. Et encore, c'était même pas le make-up que j'avais envie de réaliser pour faire le TikTok qui d'ailleurs est sur mon TikTok. Et je devais tourner donc des vidéos cette semaine, mais je vous avoue qu'il fait super chaud, beaucoup d'imprévus cette semaine, et que je ne sais pas du tout quand je vais récupérer mon véhicule. Parce que là, il va falloir aussi charger. Il va falloir que je fasse les photos pour les produits de la vidéo qui va sortir, que tu auras déjà vu pour toi, mais que pour moi, elle sort ce soir à 18h, un déglouteur. Donc il faut que je fasse toutes les photos pour que demain, ça soit en ligne sur mon Vinted. J'ai un colis, deux colis à faire Vinted. Je suis contente parce que j'ai eu deux ventes sur Vinted. Ce matin, il fallait que je vous raconte parce que entre cette semaine, en début de semaine, à Carrefour, non, à Leclerc, la petite vieille qui m'est du moins qui est passé devant l'autre personne, je vous expliquais, ça m'a énervé. Et là, ce matin, donc j'ai fermé ma bouche, voilà, parce que ça a été court, ça a été bref, et je pense que parmi certains regards, ces personnes-là se sont décalées. Ce matin, je suis allée à Carrefour, tout simplement parce que ce matin, j'ai amené Maëlia à la CMP. Et donc, j'ai dit à Laura, prends les tests qui sont sur la table. Elle les a oubliés. On s'en est rendu compte une fois qu'on était pratiquement arrivé au centre CMP. Donc, je demande donc au monsieur qui s'occupe de Maëlia,
Est-ce que je peux vous la laisser? Je dois remonter à la maison. Je redescends. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'a pas besoin de vous. Vous pouvez rester dehors ou dans votre véhicule. Vous n'avez pas besoin de rester dans le couloir. Donc, j'ai dit, écoutez, je remonte à la maison et je redescends. De toute façon, vous la gardez jusqu'à 10h. Il m'a dit 10h pile. Voilà, je la redescendrai. Vous inquiétez pas. On passera pas derrière. Je la redescendrai en bas au parking et je chercherai votre voiture où je vous attendrai. Donc, du coup, on remonte. Et là, je dis à Laura, ben, t'as vu qu'il lui manquait des cahiers pour les fournitures scolaires qu'on n'avait pas retrouvées à Leclerc. Laura m'avait dit qu'elle les avait vues à Carrefour. Ben, j'écoute, vu que la CMP est pas très loin de Carrefour, on va y aller. Donc, c'est pourquoi on s'est retrouvés à Carrefour. Et là, à Carrefour, comment vous dire? Vous savez, en ce moment, hein, on n'entend que ça. On n'entend que ça. Voilà. Polémique du moment. Alors, je savais que certains êtres humains étaient cons, mais là, on a tapé le max là. Là, comment vous dire? Chacun a son opinion sur la chose. Qu'on en discute, certes, je suis d'accord. Ceux qui ont un a priori et d'autres qui en ont un autre, ça se discute. Mais pas haut et fort dans un grand magasin. Et surtout, moi, l'impression que j'ai eue, et ça reste que mon impression, et Laura a eu la même impression, c'est que ces gens-là étaient fiers et disaient haut et fort des propos qui m'ont levé les poils. Voilà. Alors, certaines personnes, beaucoup je pense, doivent penser la même chose, comme d'autres pensent autre chose, hein, voilà. Mais je suis désolée, quoi. Tu le dis chez toi si tu veux, tu le dis en repas si tu veux, mais pas haut et fort, en te faisant passer comme un héros, quoi. Comme si tu avais fait cette chose-là et que tu étais un héros et que rien n'allait se passer, quoi. Et moi, j'ai senti que c'était de la discrimination. Voilà. Tout simplement. On ne doit pas avoir honte de ses choix. Voilà. On est libre de choisir ce qu'on souhaite. Bon, on peut parler dehors, doucement et tout, mais là, ces personnes-là, on sentait que, voilà. Il voulait être au-dessus. Voilà. Et on sentait le regard un petit peu malaisant. Vous voyez? Moi, j'ai pas du tout été mal à l'aise. Juste que j'ai eu les poils qui m'y sont montés comme ça. Et que je me suis dit, si dans 10 minutes, ils s'en vont pas, je pense que me connaissant, je vais pas garder ma langue dans ma poche. Me connaissant. Voilà. Et finalement, je pense qu'il y avait d'autres personnes à côté qui n'ont pas trop toléré, ils ont peut-être senti des regards et se sont saloués et sont partis. Voilà. Donc c'était deux couples. Voilà. Et il faut voir les propos. Ah, il faut voir les propos. On adore. On adore. On jure. Un petit canapé avec des petits pop-corn et ça fait juste rire, quoi. On se dit, mais waouh. Je savais que la débilité existait. Quand même, mais alors là, les propos comme ça dans un magasin haut et fort, franchement, je me suis dit, ils sont pas honteux quand même. Hein? Ah, ils sont forts. Je devais pas te reprendre et ma fille est allée au courrier et je reçus un colis. Alors au début, je pensais que c'était pas pour moi, mais finalement, elle me dit, oui, c'est pour toi. Donc c'est un colis que j'ai reçu donc d'une personne qui m'a contactée sur Instagram, donc Mélanie, mais c'est pas le même pseudo qu'elle a sur Instagram. Donc j'ai pris mon portable et je l'ai mis où? Je l'ai mis juste à côté pour que j'aie les informations. Donc, cette personne m'a contacté il y a un petit peu de temps pour me parler un petit peu des produits qu'elle vendait. Donc, ça fait un petit peu comme les ambassadrices de, par exemple, Unique. Là, c'est une autre marque. Donc, la marque, c'est Faberlic. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle m'enverrait des petits produits. Alors, ce n'est pas grand-chose. C'est pas du tout ce qu'elle m'a envoyé. Si il y a pas mal de produits make-up, on fera un crash test pour la marque Faberlic. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas que du make-up, ça va être compliqué pour tester. Je ne sais pas du tout. On verra bien comment je vais procéder et je vais y réfléchir pour à rigueur caler dans un vlog les produits qu'elle m'aura envoyés. Donc elle m'a dit qu'elle me joindrait donc un petit catalogue et qu'il est bien bien épais. Et effectivement, on a du make-up, on a des soins, on a des accessoires, on a des produits capillaires,
On a des sérums, on a plein de choses. J'ai vu qu'on avait même des produits pour mincir, comme le thé, des produits théière, café, oreiller, couteau, des produits pour la maison. Franchement, il y a vraiment de tout. Voilà. Donc, le petit catalogue est comme ceci. Donc, je vais retourner la caméra et je vais te montrer ce qu'elle m'a envoyé. Et bien sûr, je referai une vidéo où on crash testera ces produits. Alors, comme j'ai dit, soit une vidéo attitrée à part, soit on crash testera au fur et à mesure des jours les produits qu'elle m'aura envoyés dans un vlog. Et bien sûr, je vous screenerai donc la boutique, le site et je mettrai tous les liens en barre d'infos. Je suis pas sûre que j'ai un code promo, je pense pas. Je la recontacterai, mais je pense pas que j'ai un code promo. Les produits, je sais pas trop s'ils sont excessifs ou pas. Je vais regarder un petit peu. Donc déjà, il y a des promos. Je vois là un regard brillant en 30 secondes. Ça a l'air abordable. Parce que là, j'ai une espèce d'anti-cerne. Il était à 7 euros. Il passe à 4,29 euros. Ça m'a l'air plutôt accessible au niveau maquillage. Là, j'ai un rouge à lèvres. Au lieu de 10 euros, il est à 6,49 euros. Je vais vous montrer. Je vais tourner la caméra et je vous montre tout ça. Vite fait. Bon, je vous montre vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu les tarifs. C'est vraiment pas cher quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Ben, elle m'a envoyé quelques produits Farperlic. Vous voyez, là, on a un gel hydratant. Au lieu de 12,50, il est à 8,99. Dans le make-up. Alors, on va aller au make-up. Voilà. On a des mascaras. À 8,99 au lieu de 12,50. On a des petits rouges à lèvres. Au lieu de 10 euros, ils sont à 6,49. On a des produits comme là, des bronzers qui sont à, ou des blushs à 13,49 euros. Des petits vernis à 4,69 euros. Est-ce qu'il y a des palettes? Là, on est dans le make-up. On a des fonds de teint à 15 euros. J'ai vu qu'il y avait des parfums. Voilà, style, on prend n'importe quelle page. Hein. Donc là, il y a un parfum, c'est les Aromanes. Voilà, donc deux arômes, 5,99 euros. Trois arômes, 4,29 euros. Donc, on a des parfums à 12,49 €. Là, il est à moins 50%. Desperado. Moins 50%, c'est une marque, ça. Au lieu de 29,90 à 14,49. Je pense qu'il doit y avoir des marques. Voilà, donc soit. Et des déodorants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va passer un petit peu dans toutes les gammes. Il y a des couleurs pour les cheveux aussi. Il y a des bains de bouche. De beaux cheveux à la japonaise. C'est vraiment pas cher, quoi. Exfoliant 6,99, 3,59. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne saurais pas vous dire. Les couleurs, 5,49 €. Voilà. Et donc, voilà. Et à la fin, j'ai vu qu'ils faisaient des accessoires aussi. Donc, hop. J'ai vu ça vite fait. Ouais, des casseroles, des couteaux. Des théières. Bon, là, on est sur des prix élevés, bien sûr. Hein, 53 euros la casserole avec revêtement. Voilà, il y a des coussins. Voilà, franchement, il est super bien fait. Voilà, donc c'est Faberlic. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a dit, je t'ai pas envoyé grand-chose, mais déjà, c'est déjà bien. Donc, elle m'a tout mis dans une petite pochette comme ceci. Et j'ai tout reçu dans une pochette. Donc, elle m'a mis. Donc, ça, c'est quoi? Ouh là là, c'est pas écrit en français. C'est quoi ça? Alors, échantillon de poudre bio lavage concentré pour tissu blanc et coloré. Donc ça déjà c'est pour le lavage. Donc ensuite, elle m'a mis. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Il va falloir que je la contacte pour savoir. Une homme-seller peut-être. Mais ça a coulé malheureusement. Ouais, j'en ai dans les mains. Ensuite, elle m'a mis donc ici Faberlic Elixir Aqua Lifting. Donc c'est bien parce qu'on a des étiquettes écrites en français. Donc Elixir visage
Aquafion 15 ml. Voir sur l'emballage, conçu pour lutter contre la déshydratation de la peau très sèche et les rides, stimule les syntaxes de l'acide hyaluronique, hydrate, lisse la peau. Mode d'emploi, appliquer un peu de crème de base sur votre poignet, ajouter quelques gouttes de ce petit soin-là. Voilà. Donc ça, je vais pas tout vous lire, hein, bien sûr. Ensuite, elle m'a mis. Donc, c'est tout écrit, pas en français. Mais heureusement, on a les petites bandes ici. Donc, ici, on a des bandes nettoyantes nasales. Ben, c'est pour enlever les points noirs, sûrement. Voilà. Ensuite, elle m'a mis quelques petits échantillons. Alors, niveau échantillon, j'ai très bien un fond de teint. Voilà, foundation. En teinte, trop clair. Ça ne sera pas pour moi. Voilà. Donc, échantillon de sérum de teint pour le visage beige naturel. À tester. Ensuite ici, donc on a un échantillon de crème pour le visage. Voilà. Ici, ah, je crois qu'elle m'a mis deux teintes, je crois. Elle m'a mis donc une autre teinte. Mais alors, attends, je regardais parce que c'est tellement petit écrit. Je sais pas. Donc c'est une autre teinte. Voilà. Elle m'a mis deux fois les mêmes, je crois, et une teinte différente. Après, j'ai oh des petits bébés. C'est trop mignon ça. J'en avais quand j'étais petite de ça. Je les piquais à ma tante, je crois. Des mini rouges à lèvres. Ils sont tout petits. C'est des testeurs, hein. Voilà. Bon, on testera. Voilà. Donc j'ai le 4040-405. Voilà, qui est un joli framboise. Et ensuite, peut-être un rosé. Voilà, le 40-403. Un petit parfum. Ça, c'est cool. Voilà, petit parfum. C'est le Murmure Faberlic, le 34-23. Et ensuite, elle m'a remis un rouge à lèvres. Donc, comme ceci. Et là, je pense que c'est un métallique. Peut-être. Donc, voilà. Donc, c'est trop petit. Hein, de là, je ne vois pas. C'est trop loin. Donc, je pense que au vu des produits, je le calerai dans un vlog. Voilà, je pense que je calerai tout ça parce qu'il y a très peu de choses. Et juste, je vais la contacter pour savoir ce que c'est ça. Et ça coule. Elle a bien fait de le mettre dans un petit truc comme ça, mais malheureusement, ça a coulé. Voilà pour les produits. Donc, Faberlic. Voilà. On est jeudi 22 juillet. Il est 10h38, donc je vais me make-upper. Je suis levée depuis 8h. Vous voyez que je suis en train de faire mon épilation. Donc j'ai mis les morceaux de cire en bas parce que je suis en train de finir là. Et ensuite, je vais passer donc mon petit rasoir manuel ici juste après. Et je vais me make-upper. Si j'arrive à lever le bout là, alors je vais regarder en bas, autrement je vais pas y arriver. Voilà. Hop, un petit coup d'eau micellaire, ça fait du bien. Et je vais me make-upper. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire au niveau du make-up. J'ai bien envie de faire du bleu. Bleu un peu turquoise, on va voir. Si je vais utiliser la palette Ayukurali ou je vais jongler avec des palettes, parce que cet après-midi je vais faire donc des vidéos parce que je n'ai plus rien, donc il me reste encore, je crois, une ou deux vidéos que j'avais tournées avant de partir au camping au mois de juin, fin juin. Ouais, il me reste que ça. Donc je crois qu'il y avait une vidéo produit terminée et il y avait donc des produits qui faisaient le buzz que j'ai testé. Voilà, donc je pense que je ferai cette vidéo. Je ferai le montage parce que c'est la seule vidéo qui me reste. Là, je vais tourner la vidéo AliExpress parce que j'ai quand même eu des commentaires au vu du 1er juillet que vous savez que maintenant on a des taxes qui se sont rajoutées quand vous commandez hors dans des pays étrangers, donc chez Shein, chez AliExpress et d'autres. Je pense que Amazon n'applique pas les taxes,
Je pense pas, parce qu'il y a quand même certains produits qui proviennent quand même de Chine, mais je crois que ça n'en fait pas partie. Donc, de toute façon, vous l'avez vu dans le vlog. Je pense que la vidéo, tu l'auras avant ce vlog, je pense. Voilà, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti, donc une vidéo AliExpress. À chaque fois, je vous le dis, je vous le dis, et puis voilà, il n'y a rien qui arrive sur ma chaîne. Je suis pas mal occupée, vous aurez vu beaucoup d'emmerdes en ce moment, depuis que nous avons eu donc des très très bonnes paroles lundi dernier. Voilà, donc tout se chamboule, voilà. Tout simplement, je n'en sais pas plus parce que on n'a pas eu de message du camping. Alors, j'ai deux palettes que je n'ai toujours pas utilisées. Il y a la Birds of Paradise et il y a la We Are the Love, comme ceci, qui a été fait à l'occasion des Prades, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc là, j'ai un bleu et j'ai un bleu turquoise à côté. Donc, voilà, c'est dans les tons comme ça que je voulais partir aujourd'hui. Et ensuite faire un trait cake rose ou violet, je vais voir. Et là, j'ai aussi deux sortes de bleus. Donc, ah ben je pense que je vais utiliser les deux palettes. Donc, je pense que je vais utiliser les deux parce que là, on a un bleu un peu plus turquoise clair et encore un peu plus clair dans les tons un petit peu bleu menthe. Alors, je sais pas. Oh, je pense que je vais utiliser les deux. Je pense que je vais utiliser les deux. Regardez les bleus. Je vais voir ce que je peux faire. Je pense que ce bleu-là, il ira en paupière mobile. Ce bleu-là, c'est pas le même que l'autre. Oh, ils ont des similitudes, hein. Ces deux bleus-là. Le Maikao et le. Là, les bleus-là. Alors, ce bleu-là, je parle de ce bleu-là, là. Là. Il me paraît pareil que le même, hein, à côté du violet, là. Celui-ci, là. Ça me paraît quand même pareil. Bon, je vais jongler avec ces deux. Voilà, et je te montrerai, bien sûr, le résultat juste après. Voilà, donc ça c'est des pépites, hein. Je vous le dis, je vous le répète, c'est des pépites. Franchement, si vous voulez faire des make-up colorés, que vous avez vu des make-up qui vous plaît sur mes vlogs et tout, allez-y sur Make-up Révolution. Les palettes sont de 12,99 ou vous pouvez même aller sur Vinted. Il y a des filles qui les revendent à 7-8 euros moins cher. Donc franchement, allez-y parce que c'est petit prix, c'est très bien pigmenté et si vous vous maquillez très peu ou même si vous vous maquillez souvent et que vous n'avez pas envie d'investir, je le dis à chaque fois, dans des palettes à 50 boules ou 60 boules parce que voilà, soit vous avez les moyens, soit vous ne les avez pas. Et soit ben, ceux qui ont les moyens n'ont pas envie de foutre 70 euros dans une palette parce qu'ils trouvent ça onéreux pour ce que c'est. Voilà. Et puis d'autres qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent pas. Et voilà, vous avez de très bonnes palettes sur Make-up Révolution. Donc c'est la catégorie Flawless, Forever Flawless. Voilà, je vous le mets ici. Forever Flawless. Et vous avez plein de couleurs. Vous avez autant des nudes que des colorés, dans les tons violacés, dans les tons gris. Il y en a une même qui est un dupe de la Natasha Denona dans les tons grisâtres un petit peu. Celle-ci, elle me dit beaucoup. Il faudrait que je me l'achète parce que je n'ai pas de couleur dans ces couleurs-là, grisâtres et tout. Je l'ai vu parce que c'était eMakeup, je crois, qu'elle avait fait une revue. Et elle me dit beaucoup ça là. Et c'est vrai que j'en ai pas mal. Et il y a plusieurs teintes. Donc allez-y et allez sur le site Beauty London parce que très souvent, ils font des promos de acheter la troisième offerte où il y a pas mal de petites promos. Voilà. Vidéo terminée et super, super, super chaud. Voilà. Je pense que le cadrage est à chier. J'arrivais même plus à parler dans la vidéo parfum. Parce que je vous ai tourné une vidéo. Je sais pas du tout si tu l'auras vu. Oui, je vais faire mon possible pour que tu l'aies. Où je vous parle de tous les parfums Nox que j'ai avec les notes de tête, les notes de fond. Voilà, parce que je me dis que peut-être il y en a certains qui ne savent pas trop ce que sont les parfums Nox, qui peut-être arriveront sur cette vidéo pour avoir les notes de tête, les notes de fond. Et je dégoulinais. Là, je vais beaucoup mieux parce que j'ai ouvert la fenêtre. En plus de ça, j'avais les cheveux qui étaient montés parce que j'en ai
pouvais plus. Je sais pas du tout le cadrage que je vais avoir. Voilà, je sais pas du tout. Voilà. Donc la vidéo est faite, je suis tranquille. Et là, je n'en pouvais plus. Je sue comme jamais. Je viens d'ouvrir la fenêtre. Je suis en train de prendre un petit air frais. Voilà. Parce que là, je pense que je vais prendre une petite douche avant de partir. Alors, je vais laisser mon make-up. Voilà. Parce que je n'ai pas encore fait les photos. Je pense que je vais faire quelques petites photos. Et je vais aller donc apporter les trois colis vintage. Voilà. Puisqu'il faut que ça parte aujourd'hui. Comme ça, je serai tranquille. Peut-être que je récupère mon véhicule électrique demain. Mais c'est pas sûr. Donc, apparemment, ils ont tout fini. Ils changeraient donc demain les pneus arrière. Voilà. Donc normalement peut-être que je récupère le véhicule demain. C'est pour ça que je fais tout aujourd'hui. Pareil, les produits sur Vinted, je vous ai dit que je les mettrais sous 2-3 jours. Je l'avais indiqué hier soir, mais du coup, comme hier soir j'étais posée, que je faisais rien, j'étais en train de regarder les vidéos des copines, donc j'étais en retard. Finalement, j'ai pratiquement tout mis. Je crois qu'il me manque 2 ou 3 articles à mettre. D'autres que je ne sais pas si je vais mettre parce que c'est des produits à sourcils que j'ai utilisés 1 à 2 fois sur AliExpress. Que je vais mettre à 1 euro parce que franchement, je crois que je les ai achetés 1,20 € pièce. Et puis le petit rouge à lèvres de Bella-Pierre que j'ai utilisé en forme crayon. Que je sais pas du tout si je vais mettre ou pas. Voilà, donc ça, je vais faire ça comme ça, je suis tranquille. Que si jamais demain on m'appelle pour aller chercher le véhicule, que je puisse caler un rendez-vous avec eux pour au moins passer un coup d'aspirateur. Au moins sur les tapis quoi. Donc je demanderai à mon mari qu'il me passe les jetons et je passerai un petit coup d'aspirateur avant de leur ramener. Elle est pas très sale, j'ai pas beaucoup, j'arrive pas à parler. Gaspiller d'essence, mais je remettrai peut-être 5 à 6 euros d'essence parce que voilà. Et c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. Journée très lucrative, je n'arrive plus à parler. Je vais voir mes rushs. Là, je vais faire mes photos. Et puis, on va se baigner à la piscine. Voilà, du moins. Je peux pas me baigner à la piscine. J'ai les ragnagnas. J'avais oublié. Il est 6 h et ça fait une demi-heure qu'elles sont dans la piscine. On entend qu'elles. On entend qu'elles. Voilà, donc elles sont contentes. Elles profitent de leur piscine. Hein, voilà, donc elles ont sorti le surf là. C'est quoi ça, la planche de surf, oui? Un surfboard? Ouais, bon. Et donc elles sont en train de nager, voilà. Donc l'eau de chlore était nickel, le pH était idéal. Donc elle est bonne, les filles, l'eau? Elle est pas bonne? Elle doit être bonne, l'eau. Hein. Donc voilà, donc elle se baigne dans la piscine, voilà. Elle est bonne, l'eau? Ah, maman, elle va voir si elle est bonne ou pas, l'eau. Ah oui, elle est bonne. Dommage que j'ai les ragnagnas. Voilà. Donc elle est super bonne. Bon, je me baignerai la semaine prochaine avec elle. Faut que j'apprenne à faire. Oh, elle va m'arroser. Mais c'est pas possible. J'en peux plus. Par contre, attention. Attention, Maïa, t'as une guêpe sur la tête. Par contre, on avait un nid de guêpe là en dessous. On l'a tué. Mais de toute façon, hein, une piscine, il y a toujours des guêpes. Hein. Puis bon, comme on a pas mal de palmiers, de fleurs et tout à côté. Et là-bas, j'ai un gros de la lavande sur le côté, donc automatiquement. Mais mon mari m'a dit non, ça là, c'est des abeilles, elles butinent uniquement les lavandes. Donc voilà. Bon, il est 14 h pile, il y a mon mari qui vient de m'appeler en m'indiquant que la voiture électrique était prête. Donc du coup, vu que j'avais fait des petites courses et que je devais les récupérer à 13 h 45, là je vais aller donner un petit coup d'aspirateur donc dans le véhicule puisque je vais le rendre et je vais donc faire le plein. Alors je vous dis, j'ai pas beaucoup gaspillé, je vais vous montrer ce que j'ai gaspillé en essence. Ils m'ont donné le véhicule avec le plein, il faut que je le rende avec le plein. Voilà. Donc le mari est content puisqu'on récupère le véhicule électrique et en sachant qu'il y a une peinture à refaire. Et ils sont tellement surbookés que il faut que je prenne rendez-vous pour septembre. Voilà. Donc on va faire ça. Et puis après, ben, on rentrera à la maison. On est en vigilance orange. Apparemment, ce soir, il va y avoir des gros orages. Ça va faire du bien parce que là, ça fait quelques jours qu'il fait super chaud. Et on va voir si ce soir on peut se baigner ou pas à la piscine. Maëlia, elle veut, hein, te baigner à la piscine. Et voilà, je ne vous tiens pas plus parce que j'ai pas mal de choses à faire et je suis un peu fatiguée. Comme je vous ai dit hier, j'ai dû me prendre une petite insolation sur la gueule. J'ai mis le chapeau trop tard.
Et hier soir, j'avais la tête qui tournait et j'ai très mal dormi cette nuit parce qu'on s'est fait bouffer par les moustiques. Bon, comme vous pouvez voir, c'est une première. Vous me verrez dans mon véhicule électrique. C'est le mari qui s'en sert, hein, bien évidemment, puisque c'est lui qui travaille à l'extérieur et qui fait le plus de trajets aller-retour pour le travail. Voilà. Bon, après, vous savez, je suis assistante maternelle, donc je reste à la maison. Renaud était très étonné parce que, aussitôt appelé, je suis venue récupérer le véhicule. Donc, avant, j'ai quand même donné un coup d'aspirateur et j'ai quand même mis le plein. Voilà, puisque bon, ils m'ont donné la voiture avec le plein, ils m'ont dit de revenir avec le plein. Par contre, ils m'ont pas dit de passer le coup d'aspirateur. J'ai dit, j'ai passé un coup d'aspirateur. Oh, mais il fallait pas, la voiture elle est nickel et tout. Je lui ai dit, oui, mais bon, étant donné que bon, j'ai des enfants et que je m'en suis très peu servi, il m'a dit, oui, effectivement, je vois au niveau des kilomètres. Je lui ai dit, bah oui, j'ai essayé de demander une voiture, c'est juste en cas qu'il arrive quelque chose pour dépanner et puis surtout pour la toute petite qui a des rendez-vous de santé. Voilà, c'est pour ça qu'il me fallait un véhicule utilitaire. Et du coup, il m'a dit, ouais, il fallait pas passer l'aspirateur et tout. Ouais, bon, ça prouve que je suis quelqu'un de propre, voilà. J'ai dit, j'ai de la castine chez moi. Bon, elle n'était pas très sale. Mais bon, j'ai passé quand même un coup d'aspirateur. Ça me semble normal. Bon. Et il était très étonné que je sois là. Ben, je lui ai dit, hein, ça fait 10 jours hein, que vous avez mon véhicule électrique. Du coup, le mari, il reveut son véhicule électrique. Et moi, je récupère eh ben, la Mégane, puisque je vais voir si la semaine prochaine, le temps qu'il fait, je pense qu'on ira à Action, parce que je veux trouver l'étagère en bois. Je pense que je vous l'ai dit. Donc, je vais voir si je peux monter à Action et voir si on peut y monter, voilà, s'il ne demande pas trop le pass sanitaire. Autrement, je vais être dans le caca. Voilà. Sinon, ben, c'est tout. Hein. Voilà, donc on rentre à la maison. J'ai une voiture qui me colle au cul. J'ai horreur de ça. Alors, on va le faire râler un petit peu parce que je vois que c'est un gros 4x4 blanc et il va s'énerver. Et donc, du coup, ben, je vous ai refilmé parce qu'au début, je vous avais filmé quand j'étais à l'arrêt, quand je partais du Lidl. Mais j'ai éteint la caméra tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait un jeune qui était garé au bout avec sûrement sa mère qui était à l'extérieur du véhicule et qui m'a fait signe comme ça, comme s'ils avaient besoin d'aide, tu sais. Et du coup, ben moi, j'ai mis mon cul de temps pour aller les voir. Et du coup, la mère l'a attrapé par le col, l'a fait rentrer dans le véhicule, lui a donné une tape derrière la tête. J'ai rien compris. Ah, mais j'ai rien compris du tout. Rien du tout. Voilà, j'ai rien compris. Soit vous arrêtez pas de bouger parce que j'ai pas bien calé le truc. Donc voilà, donc écoutez, le mari va être content. Il a récupéré son véhicule électrique. Pour la charge est différée, c'est un abonnement. C'est normal qu'on ne pouvait pas apparemment charger le véhicule. Mais pourtant, on a réussi à le faire une fois. Mais apparemment, eux, ils n'ont pas compris pourquoi. Donc du coup, on a la charge différée. Pendant un an, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'ils nous ont fait une fleur? Je ne sais pas. Et du coup, au bout d'un an, ça s'arrêtera. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on devra payer. Alors, je demandais le tarif. Il n'a pas su me dire. Voilà. Ben, je pense que c'est tout. Voilà. Je pense qu'on va se baigner. Je vais aller voir. Je suis en fin de mes ragnagnas. Donc, on va voir si on peut se baigner. Par contre, j'ai oublié de dire à Laura de brancher la piscine. Il est 16h, je viens de rentrer, avant de vous reprendre pendant 20 minutes, j'ai donc rangé ce que j'avais acheté. Alors à Leclerc Dry, j'ai pris que du café, de la semoule, des bons déjeuners je crois, c'est tout. Voilà. Et ensuite, j'ai donc demandé à Laura d'allumer le moteur de la piscine. Et donc, je ne pourrais pas me baigner avec Maëlia parce que j'ai encore donc les ragnagnas. Donc, je suis enfin. Donc, je pense que demain, je pourrais me baigner avec elle. Donc là, elle râle un petit peu. Ça va lui passer. Par contre, ce que je lui ai dit, c'est qu'elle ira à la piscine sous les coups de 6h30. Parce que je resterai au bord de la piscine, il fait moins chaud, le soleil tapera moins. La piscine sera un peu à l'ombre parce que à partir de 17h et 18h, on a le soleil qui tourne. Mais j'ai dit à Maïa, je ne vais pas rester à 5h, 5h30 comme hier.
assise, j'ai pas envie d'attraper un coup de soleil. Bon, je vais mettre mon chapeau, mais voilà, je vais suer du cucu, comment te dire. Donc j'ai dit à Maëlia, m'a dit oui maman, non non, j'ai pas envie qu'après tu sois malade. Donc j'ai une fille très compréhensible qui boude certes comme tous les gosses, hein, mais ça lui passe très rapidement. Donc je lui dis écoute, à 6h30, maman mettra son chapeau, mais voilà, le soleil se tourne, donc il y aura un peu plus d'ombre, tu iras te baigner un peu plus tard. Et elle sera toute seule à la piscine et voilà, on s'amusera toutes les deux. Moi je m'amuse au bord de l'eau et elle me jettera de l'eau et voilà, et elle se baignera pendant 1 heure. Sinon, je vais vous montrer la petite nouveauté et je clôturerai ce vlog ici. J'ai pris une douche, hein, vite fait, parce que comment te dire qu'il fait super chaud, c'est en train de se couvrir, donc je sais pas du tout si ça va pouvoir se baigner ou pas. En tout cas, ils annoncent des tempêtes ce soir. Et donc à Lidl, j'ai trouvé une petite nouveauté. Alors ça, c'était pas du tout, j'ai pas vu dans le catalogue, donc vous me direz si vous l'avez vu ou pas. Donc il y avait les petits shampoings comme ceci et donc les petits sprays avec la petite licorne. Voilà, comme ceci, avec la petite licorne. Donc ça s'appelle Lovely Unicorn Spray Démêlant Brume Fine Parfum Framboise. Ne tire pas les cheveux. J'adorais le packaging en fait. Voilà. Donc je l'ai pris. Voilà, je crois que j'ai payé ça 1,99€. Donc comme je vous ai dit et je vous répète à chaque fois, les produits Sienne sont de plus en plus véganes. Voilà, tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique. C'est un contenant de 150 ml. Voilà. Donc conçu spécialement pour les enfants, pH neutre pour la peau, convient pour un usage quotidien. Vaporisé à environ 30 cm des cheveux humides ou secs et coiffés. Voilà. Ne pas vaporiser directement sur le visage, mais bien sûr. Voilà. Donc ça se compose comme ceci. Alors, vous aviez des shampoings roses comme ça et vous aviez des shampoings bleus. Par contre, en démêlant, il n'y avait que ça. Voilà. Donc je l'ai pris, bien sûr. Il y avait une licorne. Donc ils disent qu'on peut l'appliquer sur les enfants, mais franchement. Si tu veux te le mettre dessus, toi, tu te le mets dessus. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, je clôturerai ce vlog soit avec des musiques de fin au niveau de la piscine, soit on s'arrêtera là. Je pense que ce vlog aura été long aussi. J'espère en tout cas que vous les appréciez. Je vous fais d'énormes, d'énormes, d'énormes bisous. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.